Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveaux arrivants. Donc je vais vous montrer les nouveaux arrivants que j'ai eu à la foire au Picot, à un autre marché aussi. Donc voilà. Donc on a décidé d'acheter des pigeons. Donc là on en a quatre. Un sauvage. En fait il était là et il a décidé de rester là. Donc on l'a mis là. Et trois qu'on a achetés. Donc deux qu'on a acheté à la foire Picot et un qu'on a acheté à un marché. Je crois que celui-là, il a une race. J'ai oublié le nom. Le mec nous l'avait dit, mais on a complètement oublié. Donc voilà. Et la cabane, on l'a construit nous-mêmes aussi. Donc voilà. Et on a aussi acheté une petite poule hollandaise. Donc il y avait des frisés, mais bon. On avait peur avec le coq car il aime bien monter libre et puis la tuer. Donc voilà. Elle est toute mignonne. Et elle commence à bouger, mais c'est vraiment des poules de batterie, donc ça bouge pas trop. On a aussi acheté un coq Brahma. Il n'y avait pas le nom du coloris, mais selon moi c'est un Isabelle. Il a 4 mois. Donc voilà, pour 15 euros. À vous d'en juger si c'est une bonne affaire ou pas. Après il va aller avec les pondus parce qu'on n'a pas trouvé de femelle. Mais moi je trouve assez beau. Donc voilà. Ça c'était tout pour les nouveaux arrivants d'ici. On va aller actuellement en bas. Car il y a d'autres nouveaux arrivants là-bas. Donc quand on descend, on peut voir le petit poulailler. Et dans le petit poulailler, on a décidé d'acheter un couple de barbus d'Anvers. Donc je crois que c'est des fauves. Après je ne connais pas bien les coloris. Peut-être fauve, croisé, caille, je sais pas. Donc j'avais soit le choix entre ces barbus d'Anvers ou un couple de, comment on appelle ça, combattants anglais. J'ai failli prendre les combattants anglais mais j'ai décidé de prendre les barbus d'Anvers. Voilà. Parce qu'en fait quand c'est un petit poulailler, je me suis dit c'est mieux pour les barbus d'Anvers. Donc voilà. Après, c'est pas tout. On n'a pas acheté que ça. On a aussi acheté, ça faisait longtemps, un couple de pintades. Alors, où elles sont? Elles sont là. Donc, un couple de pintades. Et la poule, la femelle a pondu en œuf. Donc, elles se portent bien et elles chantent pas, par contre. On les entend pas. Elles sont silencieuses. Donc, à voir. Donc là, on leur a mis des graines. Elles ont de l'eau. Et voilà. Le coq hollandais, il est là pour l'instant. Après, on le mettra avec sa femelle quelque part. Donc là, maintenant, je vais vous montrer la suite des nouveaux arrivants. Là, on se retrouve chez les poussins. Et voilà, les deux nouveaux arrivants. Donc, une dinde des Ardennes, une jeune dinde et un jeune coq Pékin. Donc, le coq Pékin, on nous l'a donné. Donc, on l'a pris. Et la dinde des Ardennes, on l'a payé aussi 16 euros. Donc voilà, ça fera une femelle en plus. Donc là, c'est chez les poussins, grand chose chez les poussins. Parce que c'est vraiment parti vite. Tout ce qu'on voulait prendre, c'est parti vite un peu. Et quand j'avais pas pris tout mon argent quand j'étais là-bas, j'avais gardé un peu à la maison. Et le temps que je remonte chercher l'argent, bah, tout ce que je voulais prendre, les hollandaises frisées et tout, bah, c'était parti. Donc voilà. Maintenant, on se retrouve chez les pondeuses, les canards et tout. Donc, ici, il n'y a pas énormément de nouveaux arrivants. À part cette canne pompon qui ira avec le mâle pompon, comme vous pouvez voir. La canne pompon, c'est la femelle qui est derrière. Donc, on a payé 30 euros. À vous de juger avec son pompon et tout, si c'est une bonne affaire ou pas. Donc, la dame, elle en avait 5, je crois, et en une heure, tout est parti. Donc, on a vraiment fait vite. C'est la première chose que j'ai pris dès que je l'ai vu. Donc voilà, dès que je suis arrivé à la foire, c'est la première chose que j'ai vue. Ici, il y a les soies. On n'a pas trouvé de couple de Snow Girl, donc je suis un peu de même. Car ça a été un peu compliqué, j'avais prévu d'en faire. Donc je ne sais pas comment on va faire. Si j'en trouve sur le bon coin, j'en prendrai. Et donc voilà, on va voir les derniers nouveaux arrivants. On les a mis chez les dindes pour l'instant, j'ai bien dit pour l'instant. Et donc on avait déjà un mâle mandarin.
juste une femelle. Et donc la femelle elle est là-bas. Parce que quand il grimpe au grillage et tout, on a préféré les mettre là. Donc voilà. Donc là c'était tout pour les nouveaux arrivants. Donc on a eu un coq Brahma, une poule hollandaise, un couple de barbus d'Anvers, trois pigeons, une jeune dinde des Ardennes, un coq Pékin, une canne pompon, une canne mandarin, et c'est tout. Enfin, c'est déjà bien. Donc voilà. Il y a aussi une mauvaise nouvelle. Notre coq, Ayam Senami, est mort. Donc c'est des choses qui arrivent. Donc je suis assez triste, mais bon. Donc je sais pas comment je vais faire pour l'année prochaine pour trouver un reproducteur. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo.